bonjour. Les élèves de la classe de Madame Tréfi vont vous présenter à l'aide d'un kamishibai, théâtre japonais, l'histoire de Hiro, dont nous avons imaginé la fin lors des ateliers de langage avec Madame Ankar. Bon spectacle! C'est l'histoire d'Hiro, une ours, qui s'ennuie dans sa grotte car elle ne veut pas hiberner comme ses frères. Elle décide donc de partir faire un petit tour pour découvrir l'hiver. Durant sa promenade, elle aperçoit des traces de pas dans la neige. Elle sent l'odeur chaude du bois qui brûle et l'odeur sucrée des marshmallows grillés. Elle comprend qu'il y a une fête et veut s'y rendre. Mais à la vue de l'ours, tous les villageois prennent la fuite. Hiro se retrouve seul face au feu. Il fait cuire une brochette de marshmallows en pleurant. Derrière un arbre se cache Émile, qui observe la scène. Il sort de sa cachette et s'approche. Hiro et Émile font connaissance et discutent durant des heures avant de retourner chacun chez eux. Ils sont heureux dans leur rencontre et pensent l'un à l'autre. Avant que Hiro ne sombre dans un sommeil profond qui durera jusqu'à la fin de l'hiver. Ou non. Tout à coup, une tempête de vent se lève et emporte des braises du feu qui virevoltent, se pose sur les branches d'arbres et sur les lampions qui prennent feu. L'incendie se propage vers le village. Émile s'en aperçoit et alerte les villageois. Ces derniers prennent des seaux d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie sans succès. Émile part chercher de l'aide auprès d'Hiro, son nouvel ami. Hiro court à la rivière remplir d'eau des cubes de glace et les lance sur l'incendie. Les villageois observent la scène ébahis et heureux de l'aide apportée par Hiro. L'incendie est éteint et le village est sauvé grâce à l'entraide entre les humains et l'ours. Les villageois décident de faire une fête en l'honneur d'Hiro et de partager des brochettes de marshmallows avec leur nouvel ami.